Merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Je sais que les conditions sont difficiles au Péninsula. Comme vous le savez, Diryu a déjà vécu plusieurs vies, de la fanfiction au coffret, en passant par l'intégrale numérique. Je suis donc ravie que cette histoire vive encore et toujours sous un nouveau format avec le livre audio. Entendre son texte lu avec une telle passion et une si belle énergie, c'est agréablement flippant. À l'Ecclésio, un jour, on a demandé pourquoi il écrivait. Et il a répondu « Parce que la belle vie est trop courte, parce qu'écrire, c'est vivre d'autres vies, ajouter des vies à la belle vie, qui n'est plus si courte que ça. Avec mes éternelles 28 années et ma crème anti-ride, je ne peux qu'approuver. » Alors pour Diryu, et pour toutes ces belles choses que j'ai déjà vécues, je vous remercie. Bonsoir. La première fois que j'ai franchi ces 5 ridicules et précieuses marches, je n'étais que 4 Dylan. Jeune femme au chômage, cherchant à manger autre chose que des légumes en boîte. J'étais désormais Kat Dillon, employée dévouée à nos richissimes clients. Chaque soir, un peu avant 20h, en passant cette porte, j'oubliais mon appartement miteux et sombre pour plonger dans le luxe du Péninsula. Super intéressant et dans lequel je pense n'importe quelle lectrice se projette un minimum, quel que soit son caractère. De toute façon, je pense que c'est quelque chose de complémentaire, le livre audio. Ça permet justement aussi de rêver avec une voix qui nous embarque par-dessus, je trouve. Moi, j'aime beaucoup son côté très réaliste. Vraiment le côté de la personne qui travaille, qui trouve le premier travail qu'elle peut trouver en fait pour gagner de l'argent. Puis qui vit son rêve en même temps à la fois, qui veut trouver l'amour comme tout le monde. C'est quelque chose dont on rêve tous. Elle donne aussi du recul. Ça permet de voyager un petit peu avec elle ou de le lire comme le journal intime d'une personne. J'étais épatée par le talent de la jeune femme. Elle est incroyable parce qu'elle arrive à donner des intonations même aux hommes et elle a un grain de voix superbe. Donc moi, j'ai vraiment été bluffée et j'ai beaucoup aimé. Moi, je lis autant en fait que j'écoute. J'adore écouter en faisant de la couture, donc pour moi, c'est vraiment un univers très particulier. Elle a une voix mais magnifique, ça nous emporte. Et je pense qu'on en devient accro. Enfin, moi, je pense que j'en suis devenue accro, du coup. Faut se faire plaisir. Faut l'écrire avec plaisir, faut l'écrire dans la joie. Souvent, on me dit que c'est des dialogues qui leur plaisent. Mais en fait, dans la vraie vie, on se parle beaucoup. Enfin, les gens, ils se parlent, ils passent pas leur temps à faire je ne sais quoi tout seul dans leur monde. Moi, c'est la manière dont je parle avec mon mari très fréquemment. Donc du coup, pour moi, il n'y a presque pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de travail d'imagination. Si, il y en a, mais ça vient naturellement. Et dans les livres, c'est exactement ça. Mais je ne pense pas que je sache faire autrement que comme ça, en fait. Pas pour l'instant. Non, j'ai vraiment envie d'être là-dedans. Peut-être plus tard, effectivement... je pourrais écrire des choses un peu plus mélodramatiques, larmoyantes, etc. Mais pour l'instant, le fait que ça finisse bien, ça me convient parfaitement.